Et ben voilà, nous arrivons à l'Oberalletschhütte. Il est 15h10, on a bien marché. Regarde Guillaume, le pain chaud est prêt. Nickel, j'y vais direct. Mais il n'y a plus d'eau. Par contre, il y a un beau paysage. Alors est-ce que c'est la Letchhorn dans les nuages là? Et ben voilà la petite cabane d'hiver avec la niche à Bastien. Bonne nuit Bastien. Et comment t'es... Ah, on est coincé. Ça va les enfants? Ça va, ça va tout bien. Vous êtes partis pour la Letchhorn? Yes. Heures du matin, on quitte l'Oberalletschhütte. Temps de course prévu 6-8 heures pour atteindre le sommet. Elles sont méga longues. C'est la plus longue que je connaisse. Celle du couvercle, il y en a, elles sont longues aussi, non? Ouais. Celle du couvercle, elles sont longues aussi. Ah ouais. Là, c'est original, les sangles pour tenir les échelles ici. Ah, si tu veux.
falaise. Tu descends? Ouais, je me sens pas. Ok. Tout va bien, Bastien? Ouais, tout va bien, il fait beau. La pêche? Ça va, ça va. Pas la grosse pêche. Eh ben nickel. C'est toi qui vois, mais ouais, voilà, c'est l'autre solution. Ouais, en plus il y a un truc devant toi, j'avais pas vu. Il y a un gros anneau devant toi. Nous sommes sous la croix de la Letchorne. On est dans 5 minutes. On aura mis le temps sur la dernière partie. Oh. Et voilà. Arrivé au sommet de la Letchorne. Et voilà, on est au sommet. Et il fait grand beau. Et on doit retourner tout là-bas au bord. On n'est pas rendu. Je n'ai qu'un mot. Bravo.